Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo de la semaine prochaine, donc du 12 août au 18. Une semaine assez intense énergétiquement. On a déjà euh, les euh, rayons du soleil hein, qui frappent fort et euh, qui peuvent donner des migraines, des insomnies. Voilà, on retrouve ces, ces symptômes hein, dont je vous avais parlé il y a déjà un moment. Euh, hier, on avait un pic d'activité parce que c'était aussi l'alignement entre le soleil et euh, le portail du lion. Donc, c'est un alignement avec aussi l'étoile Sirius. Et euh, dans ces. Euh, comment dire dans cette période là, hein, le portail euh, nous offre un niveau de conscientisation, voilà, des, de ce qu'on a envie de, de, de récolter. Euh, sauf que ce portail-là est peut-être un peu plus challengeant parce que numérologiquement parlant il est très symbolique. On a donc le 8-8-8. Alors oui, en numérologie, 8 août, portail du lion, c'est-à-dire l'ouverture vers le Lion's Gate, c'est-à-dire l'alignement euh, des étoiles, donc euh, l'étoile de Sirius hein, étant beaucoup plus grande que le soleil et euh, c'est un temps de réflexion, de nouveau départ et surtout on peut constater aussi tout ce pourquoi on a euh, créé parce que c'est le dans le, le soleil est en lion et surtout on a cette notion de je veux briller, je veux plus grand. Donc il y a de l'ambition. Mais l'alignement se passe que le 10 c'est le 11 août, voilà, en numérologie 888, superbe. Et euh, le 8 étant très important dans certaines cultures, parce qu'il va parler euh, d'abondance positive, puisque l'univers est toujours abondant, il est abondance, l'univers est abondant, et surtout il est infini. C'est un réservoir infini, donc abondant, et il va abonder dans votre sens. Voilà, je referme la parenthèse, on va aller voir ce que nous dit cartes avec un petit défi quand même, 5 rétrogradations. Donc, Neptune et Saturne dans le signe des poissons, Mercure qui rétrograde dans le signe de la Vierge, qui nous oblige à trier, à évaluer drastiquement hein, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est porteur, qu'est-ce que j'ai envie de développer, qu'est-ce que j'ai envie de croître, qu'est-ce que j'ai envie de, de maintenir et qui repassera dans le signe du Lion. Donc, maintenant que j'ai trié, je vais pouvoir flamboyer, je vais réfléchir comment flamboyer. C'est quoi être flamboyant, flamboyante On a euh, Pluton qui rétrograde dans le signe du verso. Donc, sa rétrogradation va l'amener à repasser. Euh, il ne recule pas, hein, c'est en réalité, il ralentit et le reste continue à avancer. Donc, le signe du Capricorne va se retrouver habité par Pluton, un tout petit peu, de mois, un hein, tout petit peu, c'est un petit coucou, hein, c'est coller son nez à la vitre en disant « Salut, je suis là, mmh, je ne rentre pas, mais je suis quand même là, tu me vois. » Donc, ensuite, il repassera dans le signe du Verseau euh, pour s'y installer pour les 20 prochaines années, on va dire donc un peu, euh, pas définitivement, c'est pas définitif, c'est pour les 20 prochaines années. Et on a Chiron en bélier, avec Kiron euh, qui est rétrograde en bélier, et euh, le bélier qui est occupé par le nœud nord, le nœud lunaire, donc la direction, la voie à prendre, la voie à suivre, l'orientation qu'on se souhaite, puisque le bélier c'est un signe dit individuel, et c'est le premier signe du zodiaque, donc le je suis. Alors, ici, Voir au-delà, on a soit le jugement, soit le pendu derrière cette carte. À ah, pleine conscience, soleil, le monde. Donc là, voir au-delà, c'est prendre conscience, élargir son champ de vision. Donc il va être nécessaire cette semaine de changer sa perception. Grand trigone, les bénédictions. Et regardez en dos de deck l'âme, et ici on a la foi, ouais, la maison neuve. La foi, donc l'âme elle voit au-delà. Là, il y a une connexion. Alors, je dirais que cette semaine, déjà méditation, repos. Si vous pouvez, faites au maximum d'activités calmes, c'est-à-dire du jardinage, <coughs> du yoga, de la respiration. Euh, de la cohérence cardiaque sur de la musique à taux vibratoire, euh, les pieds dans l'eau. Hein, si vous êtes à la mer, profitez-en pour vivre ça. Vous avez, de cho vous avez le choix. Hein. Vous mettez par exemple des écouteurs, euh, vous n'allez pas vous baigner forcément, mais en tout cas, vous coupez le son avec euh, les jeux de plage, euh, les enfants qui s'amusent, qui libèrent leur créativité avec des châteaux de sable. Et vous, vous mettez les, juste les pieds dans l'eau. Et vous... Vous ressourcez, c'est-à-dire vous allez re-étendre, re, je ramène à moi la source de l'océan. L'océan étant une puissance, j'allais dire presque tellurique, non, océanique, qui est très, très, très puissante, avec la lune. Hein, les euh, vaguelettes, c'est la lune. Cherchez pas, vous avez un, un, une directe conséquence de ce qu'est capable de faire la lune okay, sur l'eau, donc nos émotions aussi. Pour ça qu'on parle de lunatique ou lunaire où il est dans la lune etc parce que absence d'émotion absence ou alors émotion exacerbée donc grand trigone des bénédictions on va voir lesquelles pour l'instant je ne présume de rien et je présume de tout parce qu'on va se souhaiter euh, forcément le meilleur the best alors les JO se terminent ce soir ou forcément euh, on va euh, prendre cette semaine comme étant euh, une récupération aussi de toutes ces émotions que nous ont fait vivre euh, nos beaux sportifs qui se sont entraînés pendant 4-3 ans. Parce que les JO de Tokyo, euh, de Tokyo oui, c'était il y a 3 ans. Voilà, je travaillais, j'en ai vu goutte. Alors, ici, Lyon balance très bien. Je, pour l'instant, je laisse les cartes parler. On va parler projet A. On mardi des patates, hein. On va falloir, euh... il y aura peut-être des discussions euh, difficiles. Mars étant Gémeaux. Euh, on a ici Cancer, Bélier, donc deux signes cardinaux avec le la Balance, signe cardinal, et le Lion, signe fixe. Donc en fait, on va fixer des intentions nobles, hein, de, de projets. Euh, C'est pas que d'union, de mariage, etc. Euh, C'est plutôt, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de rendre pérenne. Et puis euh, là. Visiblement, il va y avoir des, ouais, il va, il va, falloir éviter de prendre des tons accusateurs, un ton accusateur, d'accord Parce que là, euh, tout ce que vous, comment dire, dans les énergies actuelles, j'ai, vraiment euh, euh, constaté là que c'était très rapide. Euh, C'est pour ça que je ressens aussi euh, euh, des fois votre, vos énergies, je vais dire, mais l'égrégore que vous représentez qui est un petit peu euh, stressé, voyez, parce que justement il faut mettre en place euh, une pleine conscience, hein, voir au-delà d'une situation. C'est aussi avoir conscience de ce qui se joue et pour ne plus rester là-dedans, mais être là-dedans, l'union ou la division, il va falloir réagir de façon adéquate. Donc si par exemple une personne vous dit euh, « Ouais, mais je trouve que euh, tu, me, tu me parles toujours d'ananani nanana », ok donc tu euh, vous, vous transmutez l'énergie, c'est-à-dire que euh, vous allez justement orienter la direction. Donc ok, j'entends, j'ai entendu, par exemple, j'entends ce que tu dis, j'ai entendu, j'ai compris. Voilà. Vous allez montrer à cette personne que vous êtes dans la compréhension, dans l'écoute, par exemple. Alors, le repos dont je parlais qui est nécessaire, on a Lion vierge Donc, on a un prémice hein, de, de, des prochaines semaines puisqu'on va passer hein, le 23, donc bientôt. La semaine d'après, on passera, le soleil passera dans le signe de la Vierge. Alors, on a Lyon-Vierge, Sagittaire-Capricorne, des confessions c'est comme si on vous disait ça sert plus à rien de réagir aussi au comportement des autres là la nécessité absolue c'est de se reposer parce que comme je vous l'ai dit le repos les activités calmes vont être absolument nécessaires la carte est, est, est sans équivoque euh, là ça va permettre aussi de réaliser ce que vous pouvez réajuster, il y a certes le confessionnal, hein, cette carte s'appelle le confessionnal, mais il y a aussi et surtout le fait de laisser venir à vous et d'être dans l'écoute. Euh, C'est-à-dire, voilà, il y a une demande de pardon. Alors, pas forcément concrètement, mais plutôt. Euh, de vous à vous-même par exemple par rapport à ce projet, par rapport à cette offre, par rapport à ce nouveau départ, vous allez plutôt dire OK, il est temps de m'en libérer, hein, et d'être à l'écoute de mes besoins parce que souvent quand on s'en veut, c'est qu'on n'a pas été soi-même, on n'a pas été à l'écoute de ses besoins. Donc là, il est absolument nécessaire pour permettre aux bénédictions donc de se produire et la bénédiction c'est peut-être voilà, moi je me repose après tout, euh, c'est mon bien-être euh, que je dois prioriser. Hein Et là, ça permettra aussi, je pense, à une personne de venir s'excuser. Peut-être que jeudi, elle s'excusera du comportement de mardi. Si je prends les énergies de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Voilà, donc vendredi, je vous ai entendu le dire, il y en a au moins deux qui ont dit des patates. Mardi, des patates aussi. Allez, vendredi, jour de Vénus. Qu'est-ce qu'on a Alors, on a beaucoup de choses. Euh, trop de choses même. Euh, alors, on a, je vous montre ça, ça et ça. Donc, une leçon est apprise, moi c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire que là on a l'énergie saturnienne donc qui régit le signe du Capricorne qui va dire Ok, as-tu retenu la leçon pour que cette relation soit réciproque, pour que cet amour soit donnant-donnant, pour que cet amour soit flamboyant Ok, est-ce que tu as retenu la leçon donc, euh, par exemple, euh, « Ouais, mais tu m'as dit ça, paf !» euh, Récrimination, euh, blâme, euh, toxique, ok Par contre, ok, je suis euh, attirée par cette personne pour que ce soit cohérent avec ce que j'ai envie, euh, c'est-à-dire, ici la possibilité d'une union. Parce que souvent, ce que vous envoyez, vous ne vous en rendez pas compte, c'est beaucoup de pression, dans le sens, il faut que la personne réagisse, il faut que la personne me réponde, pourquoi elle ne me répond pas, qu'est-ce que je n'ai pas fait de bien, etc, etc. Vous êtes, en fait, perçu. Et oui, comme ça. La personne va dire bon euh, j'attends qu'elle se stabilise là elle va vous dire t'es instable et vous allez vous dire quoi mais non mais n'importe quoi etc etc donc vendredi puisqu'on on a l'information mais je veux une carte qui résume alors bon on a deux cartes oui on a une opposition alors là il va falloir vraiment euh, je vais le dire comme ça mais tout de suite, ici, c'est là que ça va se jouer. Je vous le dis tout de suite, c'est ici que ça va se jouer. Parce que <laughs> si vous attendez de la part de l'autre, vous êtes dans l'attente. Et là, ça va vous rendre très triste. Alors, on a peut-être une personne qui est triste d'avoir gueulé, d'avoir râlé, euh, qui est triste de la situation. D'accord? Mais si vous dites c'est elle de s'excuser, elle ne s'excusera pas. Pour moi, là, ça va être une semaine très charnière. En fait, dans, dans mes ressentis, quand je dis pour moi, je vais plutôt dire dans mes ressentis, il va être extrêmement primordial cette semaine de faire le nécessaire. Ici, peut-être de vous de présenter des excuses, euh, de, euh, de prendre conscience, je vois voir au-delà en fait, hein, de prendre conscience. Euh, de ces mécanismes, hein, euh, de ces euh, attitudes qui finalement vous pénalisent. Parce que là, on pourra avoir une personne qui va complètement retourner sa veste en disant écoute, tu sais quoi, euh, on en reste là. D'accord Donc pour certaines personnes, attention, attention, ça va se jouer en début de semaine. Euh, ce qui vous aide ou ce qui vous pénalise, ça va être justement l'attitude que vous choisissez. Alors, qu'est-ce qu'on a La papesse et la lune. Ouais. Euh... <coughs> voilà. Donc ici, de toute façon, je, je vous le dis avec la papesse, tout ça c'est guidé. C'est-à-dire que, <coughs> alors voilà, quand je le dis, ça sort. Tout ça c'est guidé dans le sens où ça va vous permettre aussi d'envisager les choses différemment. Pourquoi je vous dis ça je, je vous l'ai dit, il y a l'énergie du pendu et du jugement, donc la nécessité absolue de voir les choses différemment. Le pendu, c'est un temps suspendu, donc là, euh, pour les réconciliations, c'est pas forcément cette semaine. Par contre, votre intuition vous dit bien qu'il y a encore quelque chose à faire, quelque chose à vivre, certes, mais vous devez absolument. On a deux cartes passives. Passives, ça veut dire qu'ils sont soumises à quelque chose. Euh, qui est de l'ordre de l'observation, donc le yin par excellence, et non pas de l'action. Donc il va être absolument nécessaire d'observer, pareil le pape, ce n'est pas une carte active, euh, on a deux lames majeures, deux d'épées, nécessité de faire un choix, nécessité de faire un choix, choisir, alors je suis désolée, euh, mon ventre gargouille un peu, Étant donné que je mange très léger, mon ventre me dit nourris-moi, nourris-moi, mais il est nourri, donc je vais lui envoyer l'information qu'il est rassasié, qu'il est repu. Euh, donc j'espère que ça ne s'est pas trop entendu <laughs> au micro, parce que j'ai un micro très sensible. Donc le 2 dp pour revenir à nos euh, moutons, il y a une dualité, un choix à faire, une décision à prendre, ou bien une indécision, un état d'indécision. Nécessité de faire un choix. Ouais. Et là, euh... ouais. Okay. Faire un choix, c'est quoi Parce que là, bon, on a le soleil, hein, mais euh, mettre en lumière des attitudes. Choisir, ça va être d'avoir les attitudes adéquates. Parce que là, vous n'en voyez pas du tout. Euh, en restant dans le cadre de Denier, en fait, ce qu'on envoie, c'est de la prudence ou bien de la méfiance. Et là, c'est de la méfiance. C'est-à-dire je préfère conserver et voir euh, ce que ça va donner. Sauf que vous êtes dans l'attente. Et donc ce que vous allez récolter, c'est encore plus de frustration ici, euh, de dispute. Ok euh, D'une personne qui va vous envoyer la même vibration, la méfiance, qui va vous dire non, mais là j'ai pas envie de... L'esquive, en fait, j'ai l'impression que là, vous pourriez reprocher euh, que la situation vous échappe. Euh, que la personne vous esquive ouais, et on vous fait travailler euh, la, la posture. Ici, fils de bâton renversé avec le soleil et le 7 d'épée derrière. Euh, il va falloir choisir euh, la posture. Donc se choisir, ça ne veut pas dire ah bah ben, je me place en priorité, c'est plutôt... Euh, Ouais, ce sur quoi je suis concentrée. Si vous êtes concentré sur l'autre, vous n'êtes donc pas concentré sur vous-même. Donc, la personne va vous voir comme étant quelqu'un qui vous abandonne. Et là, il va falloir réajuster. Donc, c'est pour ça qu'on va vous mettre sous cloche. En tout cas, cette semaine, c'est pas une bonne semaine pour entamer des actions, pour faire des placements, euh, pour entamer un nouveau projet. C'est plutôt comment je me vois. Là, le soleil est très clair. Il va falloir réfléchir. Euh, le soleil, c'est l'esprit, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que j'alimente Qu'est-ce qui me nourrit C'est la source vitale. C'est une source vitale, en tout cas. Donc, qu'est-ce qui me nourrit Est-ce que cette action-là nourrit la joie ou nourrit la colère okay Donc ça, il va falloir absolument s'arrêter et repenser ce que vous en voyez. Si vous êtes dans l'attente, vous envoyez de l'attente, vous récoltez de l'attente. Il ne faut pas s'attendre à un résultat différent, sinon c'est illusoire et euh, ça va vous entraîner dans encore plus de colère, encore plus de tristesse. Donc c'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. Et c'est la dégringolade. Donc euh, dans le cadre, par exemple, d'une relation, euh, la personne va encore plus vous fuir et vous allez dire ben bah voilà, elle est toxique. Non, 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 non. Elle est juste en train de vous montrer. Que vous reflétez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les oracles Donc, je ramasse tout ça. Donc, le but étant de revenir à plus d'harmonie, hein, de revenir à plus de joie, de, de célébrer aussi des bonnes nouvelles. Euh, là, je dirais pour toutes les personnes qui se posent une question, enfin, la question sur le plan financier non, non, attention Comment vous dépensez, donc investir égale dépenser, c'est-à-dire dépenser, c'est penser et l'envoyer, alors que quand vous investissez, vous injectez et ça vous revient, d'accord Donc ce n'est pas du tout euh, la même vibration. Là, euh... je vais être stratégique, je vais être stratégique. Euh, je vais prendre celui-ci. J'ai envie de le prendre parce que j'ai l'impression qu'il va nous, nous donner un message. Alors pour cette semaine. Alors encore la carte du mariage d'entrée de, de jeu. Et derrière, on a la perte d'argent. Donc il y a peut-être une prudence, une méfiance par rapport à ce que vous voulez en plus. Ou ce que vous voulez le plus. Euh, C'est-à-dire oui, mais si je, si je, si je, si je m'investis et que ça ne porte pas ses fruits. Donc vous êtes déjà dans l'échec. Amour. Amour, absence. Il hein. euh, y avait absence en, voilà, en dos de deck. J'ai regardé vite fait, je voulais euh, vous montrer. Le piège. Alors, regardez bien. Hein. L'attente. Cette carte, euh, le piège, c'est quelqu'un qui est pieds et poings liés et l'absence. Donc, si vous êtes dans l'attente, vous n'êtes pas dans l'amour, vous êtes dans l'attente. Je ne peux pas le dire autrement. Tendresse, présent. Là, c'est comme si on vous disait, célèbre ce que tu as déjà. Donc, soit dans la gratitude, remercie. Euh, par exemple, vous ne ferez pas le lien entre certaines actions et ce que vous voulez. Si, par exemple, vous vous dites euh, non non mais euh, je suis super euh, euh, je suis super positive avec euh, cette personne par rapport à cette histoire mais que vous dites putain ma mère qu'est-ce qu'elle m'agace qu'est-ce qu'elle est chiante euh, ouais mais mango euh, sa vidéo nanani tiens je vais lui écrire un commentaire pour lui dire que moi je préférais nanani nanana en fait vous n'êtes donc pas dans l'amour c'est quelque chose qui doit être aligné, cohérent. Donc, par exemple, quand vous dites merci pour cette vidéo, parce que les commentaires, quand je vous dis qu'ils sont importants, c'est parce qu'ils vont aussi refléter qui vous êtes, ce que vous réceptionnez, ce que vous renvoyez. Donc si vous ne renvoyez pas ce que vous avez reçu, donc des présents, en fait, vous allez être dans l'attente, dans la frustration, et vous allez vous dire, bah, je ne comprends pas pourquoi avec mon autre, ça se passe comme ça. Parce qu'en fait, c'est une cohérence avec qui vous êtes. Ce n'est pas, tiens, avec lui, je suis comme ça, avec elle, je suis comme ça, avec lui, je suis super gentille, je suis super bienveillante, et le reste du temps, je suis un cauchemar. En fait, vous êtes, vous êtes une globalité. C'est pour ça que la carte du monde va représenter quelqu'un qui est nu, mais qui a euh, pris le temps de fixer des attitudes. C'est pour ça qu'on a les signes fixes qui sont représentés dans la carte du monde. Le monde, c'est qui je suis. Hein, dis-moi ce que tu écoutes, dis-moi qui tu fréquentes, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Alors, on a ami sincère, perspicacité, euh, tendresse, ami sincère. Il ouais, y a un regard sur votre entourage aussi, hein, clairement. Il y a un regard sur votre entourage. Euh, attendez, hop. avant de prendre celui-ci, je vais plutôt être cohérente. Ok sur le mariage. Acceptation. C'est un reflet de soi. Le mariage, c'est une union avec soi-même. C'est-à-dire euh, qu'en psychomancie euh, ou en coaching, euh, puisque je suis euh, orientée en hein, coaching et psychomancie, plutôt que prédiction et voyance, vous l'aurez compris, mais je le redis pour les nouveaux arrivants, je suis orientée vers des résultats concrets. C'est-à-dire des actions que vous allez devoir faire pour obtenir un résultat concret et non pas être « bon, bah, puisque c'est dit, ça va se produire ». Non, non, ça ne fait pas tout, d'accord Ça vous tire une balle dans le pied d'ailleurs. Donc en psychomancie, il y a l'idée de revenir sur des croyances au niveau de l'union, euh, du mariage, de la vie commune, euh, de s'engager dans quelque chose, hein, que ce soit un projet. Parce que s'il y a une partie de vous qui refuse en ayant peur de l'échec, tout à l'heure on l'a vu derrière la, la carte du mariage, euh, il y avait cette notion euh, d'une sorte de perte, c'est-à-dire oui mais si ça ne fonctionne pas, hop, vous êtes déjà désaligné. Vous êtes déjà en train de refuser quelque chose que vous vous souhaitez. Pourtant. D'accord Donc, voir au-delà, c'est aussi qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que je peux aussi cadrer. Parce que dans l'acceptation, il y a la notion de respect de soi, de ce que je suis prête à autoriser. Par exemple, euh, dans le cadre d'une discussion amoureuse, moi, ça m'est arrivé de dire à mon compagnon lorsque j'entends ça, ça provoque chez moi un refus d'écouter. Donc, je ne lui dis pas, attends, attends, tu me dis de la merde. Je lui dis, lorsque j'entends ça, ça provoque chez moi une crispation, de la colère, etc. Donc, la personne va comprendre dans l'état dans lequel je suis, accepter l'état dans lequel je suis et recalibrer afin que nous puissions rester dans un, euh, dans un système, dans une dynamique positive. C'est-à-dire d'écoute réciproque, d'amour aussi. Mais voilà, d'écoute inconditionnelle. Alors, message à venir aujourd'hui, je pense que vous allez recevoir euh, de quoi vous permettre de vous réaligner en faisant preuve de perspicacité parce que Mercure Rétrograde va nous inviter à réfléchir va nous inviter à revisiter, revisionner, revoir, réviser. Des actions. Passage à l'action. Avant de passer à l'action, parce que regardez, passage à l'action, dispute, rancune, tristesse. On retrouve ce qu'on avait ici, donc avec cette femme triste, euh, et avec, attendez, je l'ai rangé, avec aussi euh, la mésentente. Euh, on avait euh, donc une carte de mésentente, deux cartes de mésentente, une carte de tristesse, une carte de pardon, une carte de repos, ici une carte de mésentente et une carte d'entente. Donc, une carte d'entente versus tout le reste. Donc, là, c'est pour ça qu'il va bien falloir écouter, observer et choisir euh, ce qu'on a envie de refléter. Parce que, et là, ça n'a rien à voir avec votre autre. C'est plutôt, mais je vais lui rentrer dans le lard. Si jamais la personne me dit ça, c'est mort. Vous êtes dans la rancune, la dispute. Vous êtes déjà prêt. Euh, vous avez euh, presque conditionné à ce que ça vous arrive parce que votre corps est préparé à ce que ça vous arrive. C'est comme si vous l'attiriez, vous l'appelez, c'est un écho, un sonar. C'est comme des dauphins qui vont s'appeler entre eux et là vous dites ⁇ dispute, rancune ⁇ Je suis bien le dauphin, vous aurez remarqué. Merci de me le dire en commentaire. Non, je plaisante. Donc c'est ça le piège aussi, c'est de vouloir s'attendre à un résultat. Alors que ici, on vous dit, en acceptant, de réajuster, en acceptant, euh, on va dire, une, une situation actuelle, et eh bien là, tu es dans l'écoute. Ça ne veut pas dire que vous acceptez que ça vous arrive. Vous êtes en train de dire J'accepte que ce soit arrivé parce que, effectivement, je me suis calibré sur telle et telle euh, réaction. Donc, abondance, attention, parce qu'il y a le piège, c'est de vous mettre dans un état de dépendance. Je veux que ça se produise. Vouloir, vous ne voulez pas quelque chose que vous avez déjà. Vous indiquez, si vous voulez quelque chose, que vous êtes dans le manque. Donc, l'univers va abonder dans quoi dans le manque. Alors tendresse réconciliation il y a l'enfant intérieur mais aussi des réconciliations qui pourraient se produire à partir du moment où vous avez fait le nécessaire pour vous replacer dans des vibrations positives. Vous n'êtes pas positif, vous n'êtes pas négatif, vous êtes dans des vibrations et c'est tout le temps fluctuant. Donc l'idée D'accepter déjà la situation, euh, d'accepter. Euh, alors là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui doivent accepter qu'une situation ne se produise pas telle qu'ils le pensaient, mais plutôt. fuite karmique. Alors, OK. On a une personne qui, aujourd'hui, il euh, y a un karma avec. donc, fuite karmique, il y a un trou énergétique par rapport au mariage ou par rapport au fait euh, de s'engager parce que le mariage euh, voilà c'est quelque chose euh, qu'on n'est pas tous enfin euh, qui nous botte pas tous hein, qui ne nous branche pas euh, forcément mais on va parler de véritable engagement donc ça peut être un contrat ça peut être euh, l'idée d'être en CDI il euh, y a des personnes que ça va tout de suite étouffer parce qu'ils se disent bah ouais mais si ça rate et que je foire tout ou que je perds ce CDI euh, je suis dans le dans la Moïse etc etc donc ça reste une fuite karmique. Donc là, il va falloir combler. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à comment dire, à réajuster. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Alors, on a septembre hein, qui se profile. On vous prépare à la rentrée, on vous prépare à septembre parce que ce mois de septembre, je vous le dis, il va être un écho direct à la dernière rétrogradation de Vénus qui était l'année dernière. Une autre personne perturbe la relation, perturbe, pardon. Et on a ici, euh, âme sœur, alors, estampillage élu de cœur, je préfère dire ça parce que l'estampillage âme sœur flamme jumelle, ça me sort par le trou des yeux, vous, je vous l'ai dit hier. Hein. Mais euh, voilà, on a, adapte-toi son rythme émotionnel. Donc une personne qui n'est peut-être pas prête, ou vous n'êtes pas prête. On va voir euh, ce qui est dit. Alors homme femme blonde rupture un mois et demi deux mois avec un mensonge donc une personne qui a potentiellement pas été sincère et il y a potentiellement des discussions qui vont soit mener à une rupture définitive soit une réconciliation donc ça peut être cette semaine ça peut être là j'ai l'impression que c'est pas forcément cette semaine mais cette semaine vous allez devoir vous Calibré. C'est le moment idéal. Euh, en plus, c'est un code promo qui dure jusqu'au 15 août, je vous le dis, parce que euh, c'est cette semaine qu'il qu s'arrête. Mais c'est l'occasion de profiter, euh, on va dire, de mon savoir-faire, de, 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 voilà, de mes compétences, parce que ça va être primordial pour la suite. Là, vraiment, il y a quelque chose qui est pointé du doigt. Et pour éviter que, par exemple, une autre personne vienne s'immiscer, Hein, donc, de, euh, par exemple, que votre personne de cœur vous dise ben, En fait, euh, je vais me marier avec quelqu'un d'autre, ou bien euh, je suis déjà mariée, ou bien euh, en fait, je préfère qu'on arrête là et euh, de tenter une relation avec une nouvelle personne. Non, non, parce que là, tout peut arriver. Hein. Le 7 de coupe derrière, tout à l'heure, on avait euh, donc le soleil, le 7 d'épée et le 7 de coupe. Les 7 parlent d'un bilan, mais aussi d'un résultat concret qui pourrait se concrétiser. Donc, il va être absolument nécessaire. De faire le nécessaire. Alors, on a euh, une rencontre invisuelle. Et regardez, en dos de deck, colère et ressentiment. Ouais, trois mois, j'ai l'impression. Mois de mai, 5, juin, 6, juillet, août. Trois mois. Donc on a trois mois, mais Là, ici, on a le 8. Euh, ici, on avait le 80, donc j'ai vu du 8 en fait, hein, et je me suis dit, ok, donc il est bien question, mois d'août, de nettoyer, regardez, 8-8, mm -hmm. ok, alors de nettoyer, je finis ma phrase, de nettoyer toute colère et ressentiment, ok, en septembre, je sors un fascicule qui va vous aider. Euh, voilà, j'en dirai plus euh, au moment de sa sortie, mais euh, ab abonnez-vous, hein, euh, vraiment mettez la cloche et tout parce que quand je communique, j'ai créé des outils qui vraiment vous permettent euh, de dans, dans votre fourchette de prix de pouvoir avoir un accompagnement, d'accord, avec mon vécu, avec les exercices, les protocoles, les lectures, les vidéos, le contenu, on va dire le euh, L'environnement que j'ai créé aussi avec des connaissances, vous trouverez forcément ce qu'il vous faut dans ce que je propose. Alors, 8, 8, 8. Ok <laughs> Ça va abonder dans votre sens. Et là, traumatisme d'humiliation, avec fonder une famille, il euh, y a quelque chose que vous devez réparer. On a la notion de temps. Il faut rester patient. Et l'attente, attention. Parce que vous allez matérialiser encore plus d'attentes. Ok Alors ici, cancer lion vierge, on a l'été. Et amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité, c'est l'occasion idéale <coughs> euh, <coughs> de devenir cette personne à qui on ne fait pas des coups de trafalgar, en fait. Et si vous en avez marre de tourner en rond, si à chaque fois, vos relations tournent au vinaigre, que la personne, elle est euh, dans une fluctuation, c'est parce que c'est le reflet direct de ce que vous maintenez. Donc, de cette fuite karmique, il faut absolument réparer. Alors, tu me manques, attraction, frustration. Donc, la carte, tu me manques, c'est la frustration. Hein. Attention. Donc, vous attirez quoi encore plus d'absence pour que vous soyez dans le tu me manques. Ou l'autre personne aussi. Hein. Des fois, vous manquez à une personne et euh, vous dites ouais, mais non, mais plus tard, ou alors vous allez saboter parce que euh, vous êtes aussi calqué sur ces vibrations. Donc il va falloir faire le nécessaire pour ne plus être calqué. Deviens maître de ta vie. Bah, ça, c'est tout simplement ce que je dis en plus dans mon à propos de chaîne YouTube pour que vous soyez maître de votre destin. Voilà, je vous invite à le lire, hein, c'est à propos, parce que euh, dès le début, je vous l'ai dit, je ne ferai pas de prédiction de voyance. Attention, euh, les cartes euh, ne sont qu'un support visuel, mais le reste, je n'ai pas besoin des cartes pour vous dire dans quoi vous êtes quand je vous ai en, en, en guidance privée au téléphone. Alors, le pardon et la famille va être au cœur du sujet. Donc là, il va falloir faire le nécessaire. Euh, oui, les non-dits dans la famille. Les non-dits, le pardon, le fait que la... Per... Un mensonge, c'est un non-dit. Et hein. Regardez, relation miroir. Donc, on a du 11, donc du 2. Les yeux de la sagesse. Voir les choses différemment, voir au-delà. On a encore les problèmes. Hein, qui... Regardez, flashback, le schéma parental, la famille, les non-dits. Il euh, y a quelque chose, visiblement, où vous... vous... C'est pas directement euh, par rapport à votre autre que vous devez réconcilier que vous devez d'abord penser à la réconciliation, hein, pour les personnes qui se posaient la question. Non, non, c'est d'abord réconcilier une partie de soi qui est, euh, comment dire, j'allais dire, disqualifiée, euh, qui est fragmentée. D'accord Il y a un morceau de votre âme. Votre âme, elle a été morcelée à cause d'un choc traumatique. Donc là, il va falloir réparer. Et forcément, rencontre forte. Parce que si c'était une rencontre insignifiante, vous n'auriez pas de leçons à en tirer. Donc de, de, de travail sur soi à faire. Vous allez vous dire, bah, c'est mon ex, je passe à autre chose, pourvu que j'oublie vite. C'est tout quoi. Et vous vous dites, ah, je suis soulagée, je suis libérée de ça. Allez, ciao, bye-bye. Donc non. Euh, allez, pour finir, ce tirage de la semaine, la famille. Bon, allez, moi j'ai envie de dire... Euh, là, vous devez alors oui, on est sur le plan collectif et vous l'aurez lu, euh, je pense plusieurs fois parce qu'on est plusieurs à le capter, hein, euh, mais il va être absolument nécessaire de réparer quelque chose au niveau familial, c'est-à-dire au niveau de l'héritage, au niveau de l'ascendance et de la descendance, c'est-à-dire ce qu'on ne veut plus transmettre. Donc, on est en train de réparer aussi des mémoires familiales. Euh, C'est pour ça que je pense que voilà, l'étoile de la femme. On avait la papesse, la lune, donc les symboles féminins par excellence, parce qu'on est en train de réparer aussi des mémoires karmiques pour ne plus les transmettre à nos enfants. Hein. Et messieurs, messieurs dames, tout pareil. Hein, ok, euh, là c'est vraiment le travail le collectif, c'est-à-dire de rééquilibrer euh, le féminin dans le sens où, euh, voilà, il y a aussi le, le fait de vouloir absolument imposer. Hein, qui va être despote. Ouais. Alors les honneurs. Les honneurs et en dos deck on a la méchanceté. Donc euh, oui il a pu il a pu avoir une mémoire aussi de despotisme, c'est-à-dire les femmes doivent être absolument c'est pour ça qu'il y a un rejet du patriarcat. Alors qu'il y a des bonnes choses de part et d'autre hein, dans le matriarcat et dans le patriarcat, euh, dans l'homme et la femme donc la famille, la vision de la famille aussi puisque maintenant euh, la famille va être une sphère, un environnement. Donc, le modèle familial par excellence a sauté depuis longtemps. Trafic. Hein, ce qui se traficote, on a Mercure. Euh, alors, la carte du trafic, le hasard. Mmh. C'est intéressant. Alors, obligée... enfin, je vais développer. Ce n'est pas que je suis obligée, mais j'ai envie de développer. Euh, Qu'est-ce qui se. Traficoti, traficotal hein, euh, avec le trafic. Alors, on va prendre. Ok, celui-ci. Il y a une envie de réussir. Mais euh, il y a une envie aussi de... Oui, c'est le piège, d'accord, je viens de comprendre. C'est le piège. D'éviter de tomber dans les écueils comportementaux qui vont en fait vous, euh, vous attraper. Je... Ouais, je, je viens de penser à un jeu que je vais utiliser juste après. Voilà la carte qui est tombée. Jeudi. Alors, réunion, homme de loi. Il va falloir euh, pondérer, mesurer, jauger, évaluer euh, la fête de la magistrature. Hein. C'est ce que je vois. C'est plutôt, euh, regardez derrière, on a le balance, le signe de la justice, donc caractère sensible et juste. Deuxième signe ou caractère de Vénus, donc il y a la notion de d'équilibrer, de contrebalancer, de sous-peser. Donc euh, de faire preuve de perspicacité. Ok. Alors je ramasse ça. Le jeu qui m'a appelé là, qui est venu, euh, qui a poppé dans ma tête comme un petit pop-corn dans la, cassero enfin, dans le, dans le, la casserole. Euh, C'est lui. Allez. On va compléter. Voilà, l'autorité, ne pas imposer sa vérité et l'autorité familiale, la notion du père. Par exemple, euh, si vous avez des réactions euh, par rapport, euh, imaginons, euh, voilà, vous croisez quelqu'un qui vous dit je suis magistrat, je suis juge, et là vous, euh, vous avez, euh, oh là là, il est juge, il faut absolument que, oh mon Dieu, euh, moi je sais qu'un jour j'ai tremblé, c'était un contrôle routier. Et en fait, euh, euh, ils arrêtaient des voitures et tout ça. Euh, et euh, moi, c'était... Euh, on m'avait prêté une voiture et la voiture, la plaque d'immatriculation, c'est une infraction. Enfin, une infraction. C'est euh, euh, soumis à une, une amende parce que si, par exemple, le, le, le blanc du 8 a disparu, ça peut faire un 0. C'est-à-dire que là, euh, ce qu'on verra de loin, c'est un 0. Alors que c'est un 8. Donc les, la peinture est extrêmement importante. Et euh, la personne, euh, donc, euh, m'arrête sur le bas-côté, l'agent euh, policier, de police, et je me mets à trembler, il était à papier, et tout, alors que je, moi, je suis en règle, hein, euh, je veux dire, j'ai mon permis, j'ai euh, la carte grise du véhicule, etc., même si c'est pas le mien, bah, c'est moi qui conduis dedans, donc j'en suis responsable, donc je suis responsable, et là, je commence à trembler, il me fait, ça va, je vais pas vous arrêter, je vais pas vous mettre en prison, ça va, <laughs> tranquille, et... Euh, en fait, c'est ce rapport-là à l'autorité, la peur de déplaire, se mettre en dessous, se rabaisser. Et c'est... Bon, on va pas... Euh, euh, c'est une infraction hein, de, de, de... Voilà. Hein, c'est ce qu'on appelle... Euh, euh, ben, J'ai oublié, mais voilà, vous, vous, vous me direz en commentaire où ça me reviendra. Mais en fait, il faut vraiment se dire quel masque je porte, parce que le masque, l'illusion, ça peut être aussi euh, bon comme mauvais. Et là, dans le cadre d'une relation, d'un contrat ou de vous unir à quelque chose, c'est-à-dire quelque chose qui vous tient à cœur, tout simplement, il va falloir réfléchir à quel rapport vous avez aux choses. Hein, donc à l'autorité, quelqu'un qui vous dit j'aimerais que tu fasses la vaisselle, s'il te plaît, euh, vous allez peut-être vous rebeller. Pourquoi parce que euh, vous aviez. Euh, ça vous rappelle votre mère, ça vous rappelle votre père, ou quand vous vous ratatinez en disant Oh là là, j'espère que je ne l'ai pas contrarié, ça vous rappelle qui Voilà, le rapport à la famille. Alors, on a le cadeau, le stress. Euh, ce que vous voulez le plus pour l'instant génère du stress. Hein. On a un accord, le contrat, euh, où c'est. Euh, voilà, donc vous cherchez peut-être à. À, à être tout bien, euh, donc c'est une forme d'injonction avec l'autorité. J'ai aussi une injonction faut que je sois bien euh, pour recevoir. Parce que nanani, nan, en fait, non, vous êtes dans le stress, c'est ce que vous dit le jeu. Ok, déplacement. Ok, et on a la passion, l'héritage. Ouais, vous êtes en train de bouger, de régler des notions, des mémoires qui n'ont rien à voir peut-être avec le sentimental, mais qui ont tout à voir avec le sentimental. Allez, justement, euh, je vous fais choisir, comme d'hab, un petit message. Alors, je vais prendre le 1 ici. Euh, attendez, il y en a une qui est, voilà, qui était retournée. Euh, le 2 ici et le 3 ici. Allez, vous choisissez tranquillement. Hein, vous faites pause dans la vidéo parce que moi je vais les retourner assez vite. Choix numéro 1, donc à gauche. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble. Je fais tout pour cela, se so concrétise, j'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation. C'est pas encore la concrétisation, mais la conscientisation. Le 2 en moi, je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous, donc c'est ce que vous envoyez, donc la personne si vous n'y croyez pas, elle va recevoir du découragement quand elle pensera à vous, elle va se dire bah non, elle n'y croit pas, à quoi bon Ok, j'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Et choix numéro 3, pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Voilà mes très chers, votre guidance de la semaine, j'espère qu'elle vous a plu, je vous souhaite une merveilleuse, euh, des merveilleux jours prochains, on se retrouve très très vite pour la fin des signes, il en reste 5, ok Et ces signes, vous trouverez les extensions donc, soit sur la plateforme Patreon, soit sur l'onglet souscription de la chaîne YouTube. Voilà mes très chers, je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Pour de nouveaux contenus, n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram aussi, à vous abonner. Hein, je réponds assez vite en général à vos requêtes d'abonnement. Et euh, vous avez donc un panel aussi, c'est le premier poste, il est très important. Donc c'est un panel de ce que je propose. Les trois premiers postes épinglés sont à qui vous avez affaire. Et il y a aussi une petite nouveauté, c'est que j'ai posté pour la première fois une photo de moi où on me voit très bien. Voilà, comme ça vous saurez à qui vous parlez et vous n'aurez plus la sensation de parler à quelqu'un d'inconnu. Allez, je vous laisse aller voir ça. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur. Réagissez vite hein, par rapport à cette semaine parce que ça va se passer très vite. Allez, on se retrouve aussi pour les signes. Il reste taureau, vierge, balance, cancer et bélier. Voilà pour les signes à suivre euh, d'ici aujourd'hui, demain, mardi. Hein, parce que je, je, il fait très chaud, pas dit bras, je n'ai pas dix bras. Voilà, j'ai aussi d'autres requêtes, d'autres demandes. Et ce sont mes vacances pour cette semaine. Je ne prends pas d'appel. D'accord euh, Il reste des créneaux pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à les voir et surtout de bénéficier de ce code promo. Je vous mets. Toutes les infos en barre de description. N'hésitez pas à commenter aussi cette vidéo. Ça fera vivre la chaîne. Ça m'aidera énormément hein, pour ne pas que j'arrête de, de fournir du contenu. Parce que s'il n'y a pas de répondant de votre part, YouTube me mettra euh, dans les oubliettes. Voilà. Donc je compte sur vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!